Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis Bois Kouassi à CFX. Je viens faire ce petit live rapidement, rapidement, rapidement. Au plus tard, au plus long, ça fera peut-être 45 minutes. J'attends mon invité, Maître Zoku, pour commencer. Mais en attendant, je vous salue avec le plus grand respect. Comme je ne vois aucun commentaire actuellement, donc je ne peux pas vous saluer personnellement. Mais dès que je verrai les noms ou bien les commentaires, je pourrai vous saluer personnellement. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, que vraiment votre santé elle est au top, parce que chez moi, ça va excellemment bien, à part que je suis un peu fatigué après le voyage. Je suis un peu fatigué, même beaucoup même, parce que je me suis réveillé très tôt dans la nuit, parce qu'il y a des plans, il y a des choses à mettre au point et on réfléchit beaucoup. Donc, mes réflexions m'ont un peu perturbé ma nuit et ce qui fait que après ça, maintenant aller au boulot aussi matin, c'est pesant. Voilà. Mais ça va, on tient le coup. Alors, je suis dans ma voiture actuellement pour faire ce petit live avec mon alter ego, Maître Zoku, qui est là. Bonjour, Maître Zoku, comment tu vas? Oui. Bonjour, mon frère. Tu vas bien? Bonjour. Oui, je vais bien. Ah, d'accord. Bon courage à D'accord. toi parce que tu es fatigué, tu viens d'un petit périple, donc vraiment, bon courage à toi, que Dieu te donne la force pour ce live. Merci. Kwadiobo Honoré, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent actuellement. Ben Yao, bonjour. Bonjour à Élisée Sagou, triple tape à toi. Bonjour à Clembier Clicon, à ceux qui sont là en premier. C'est ceux-là que j'ai vus, les autres, je vois pas. Merci pour les partages, merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Alors, aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, je le fais. Sincèrement, il faut que je parle aux Ivoiriens par rapport à certaines choses, surtout qu'ils se rendent compte de ce qui se passe en fait dans la culture ivoirienne actuellement. Si vous voyez que la culture ivoirienne est à son plus bas niveau depuis des années et des années, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à la manette, il y a des gens qui sont responsables de tout ça. Alors, ils confondent un peu, enfin, ils confondent, non, ils confondent pas. Ils mélangent, en fait, leurs émotions personnelles avec les intérêts supérieurs du pays. Voilà. Il y a des gens qui sont à des postes de responsables, des postes de responsabilité, qui mélangent leurs émotions personnelles avec l'intérêt supérieur de la nation. Ouais. Donc, c'est-à-dire que eux, s'ils sont pas contents avec quelqu'un, sinon, ils ont des problèmes personnel avec quelqu'un, même je dirais même d'opinion, de divergence d'opinion, eux ils sont capables d'enterrer quelqu'un et puis quelqu'un par exemple qui représente le pays dans un domaine bien précis, surtout dans la culture par exemple. Et je vais vous expliquer ça par rapport à mon cas à moi et vous allez comprendre pourquoi. Parce que les gens ont tendance à minimiser toutes ces choses-là et ils ne se rendent pas compte à quel point le pays est en train de régresser, à quel point on se moque de nous-mêmes sur le plan international et à quel point ça décourage les autres acteurs, les autres artistes du pays qui préfèrent même ne rien faire et puis se laisser aller et laisser les choses se faire comme ça. Pendant ce temps, ces gens qui sont responsables de la culture de nos pays font la promotion de la médiocrité. Ils font la promotion de la médiocrité et cette médiocrité-là maintenant gangrène le cerveau, l'esprit, la vie de nos enfants qui les regardent, qui les prennent comme exemple. Voilà pourquoi j'interviens dans ce live pour expliquer cette situation-là et vous faire comprendre ces choses-là, vous, le public. La vidéo actuellement, on n'est que trois, je crois, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si Facebook, parce que mon compte est restreint pour Oui. commencer, mais c'est à vous de partager la vidéo. C'est à vous de faire voyager cette vidéo pour que les gens puissent se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'apparemment, les Ivoiriens, ils sont dans l'amusement la plupart du temps, dans les gbérés, dans les choses comme ça. Là, ça les intéresse. Par exemple, le dernier gbéré, c'est le mariage de Conny. Oui, elle s'est mariée à Étang, elle s'est pas mariée. Bien, il y en a d'autres qui sont dans la fête des Calandes, dans les choses comme ça. C'est ça qui les intéresse. Mais par rapport à leur culture, par rapport à vraiment ce qui va faire briller la Côte d'Ivoire dans le monde entier pour attirer les touristes, pour attirer les gens, pour montrer même l'excellence
Ce qu'on sait faire en Côte d'Ivoire, là, les gens, eux, ça ne leur dit rien. Première victime, enfin, première victime, une des victimes de cette façon de faire, le petit Didier Arafat, qui faisait son coupé décalé, qui faisait sa musique, bien qu'il y a des choses à dire dessus, mais le petit qui faisait briller le pays à travers le travail qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire, ces mêmes personnes-là ont pratiqué à peu près la même politique avec le petit, et ça l'a amené à la dépression, et cette dépression l'a amené pratiquement à un suicide. Parce que la manière dont il est mort, là, c'est comme si c'était un suicide. Les Ivoiriens pleuraient, on a perdu quelqu'un, oh, on a perdu le gars, on a perdu ceci, cela, et puis c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais les vrais responsables, ils sont toujours là. Ils sont assis là dans les bureaux, là, c'est eux qui signent les papiers, c'est eux qui donnent les autorisations, c'est eux qui permettent certaines choses. Et les Ivoiriens les regardent, et puis ça arrive tous les jours. Je vais vous montrer aujourd'hui le même cas de figure avec ma personne. Parce que il y en a qui ne savent pas que je suis un artiste. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo. Parce qu'on est monté au moins à 7. 7 personnes. Ah, c'est tellement drôle. Mais c'est tant pis, hein. C'est, bref. Mais une chose est sûre. Moi, je sais que les choses vont finir bientôt. Mais seulement, il faut que j'en parle quand même aujourd'hui pour que demain, quand on va prendre cette vidéo, quand on va la regarder, on va dire, ah, le Moro, il avait dit ça. Ouais, c'était comme ça avant. Ouais, ah ouais. Le gars là, il était un peu en avance sur son temps. Vous comprenez, non? Grand frère Guy Lago, big up à toi depuis ta position. Merci. Alors, Zoku, pardon, excuse-moi, Maître Zoku, je te laisse aussi introduire et puis on va continuer. Oui. Excuse-moi. Bon, non, il n'y a pas de problème. J'étais en train de bien faire la capture là. D'accord. Attends, je vais. Accorde-moi 30 petites secondes. Ah, je vais bien faire la capture. Donc, je la continue capture. Maintenant de parler de ces gens-là. Et pendant que tu quand tu es prêt, tu me fais signe. Hein. D'accord. OK. Alors, hier soir, je me balade sur mon Facebook et je vois une publicité de la chaîne de télévision NCI, la même chaîne de télévision NCI, la chaîne des grands événements. NCI. Qui fait une pub sur sa page Facebook et qui met la photo, le poster du film Braquage à l'Africaine, dont je suis l'acteur principal. L'acteur principal. Voilà. C'est un peu. Oui. Alors, si je veux faire un parallèle, c'est-à-dire que aux États-Unis, par exemple, les Américains, Hollywood sort Terminator avec Schwarzenegger. Et puis, on met le film Terminator va sortir avec Arnold Schwarzenegger. Mais sauf que les Américains, au lieu de mettre Arnold Schwarzenegger, ils mettent Terminator, puis ils mettent le nom maintenant de tous les seconds rôles, et puis ils mettent pas le nom de Schwarzenegger, qui est l'acteur principal du film. Voilà, c'est la même chose que NCI a fait sur sa page quand ils ont mis le nom, le titre du film avec le poster, la photo et tous les acteurs qui étaient dessus. Mais malheureusement pour eux, je suis l'acteur principal de ce film, du début à la fin, c'est moi. Et j'ai plusieurs scènes avec plusieurs autres personnes différentes dans le film. Et je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer qui que ce soit parmi les acteurs qui ont tourné ce film. Tous de grandes personnes, des personnes que j'apprécie particulièrement. Ils pourront vous le dire, ils n'ont aucun problème avec moi, j'ai aucun problème avec eux. Je dénonce un fait, parce que non seulement, peut-être... Manque de respect, je sais pas, je m'en fous. J'ai pas besoin du respect de quelqu'un. Le respect, ça se quémande pas. Mais quand quelque chose est factuel, il faut le faire. Et sur ce coup, la chaîne NCI, je sais pas qui dirige cette chaîne ou bien qui dirige ce programme-là. Fernand Blé, comment tu vas, la famille, mon frère? Mais cette personne-là a un esprit tout petit comme ça. Mais encore, j'ai dit tout petit. Un esprit vraiment, c'est minable. Sincèrement, c'est minable. On peut pas dire qu'on a oublié. On ne peut pas dire qu'on a omis. On ne peut pas dire que non, c'est pas grave, c'est pas important. C'est très grave, c'est très important. C'est très grave, c'est très important. Et franchement, croyez pas que je suis en train de quémander la popularité ou bien chercher la célébrité. Sincèrement, les gars, vous me connaissez mal, c'est pas ça. Je parle pour mes autres frères et sœurs artistes qui subissent en pire ce que moi, j'ai vécu. Tranquillement. Je sais, je connais, je sais qui je suis. Donc, c'est même pas une histoire de, ah, le gars, il veut se prendre ou bien, parce que j'ai vu dans des commentaires des gars qui disent que
Ouais, tu manques d'humilité. Est-ce que ça va dans votre tête? Je manque d'humilité. Moi-même, mon film, je suis l'acteur principal. Les gars font la pub avec. Vous savez pas qu'il y a plein de gens qui regardent le film à cause de mon nom. Parce que vous pensez que je suis sorti de la cuisse de Jupiter ou bien je suis sorti, je sais pas, d'un pet de singe pour venir me mettre dans la culture ivoirienne. Depuis 86, tous les prix, je les ai ramassés. Je connais mon travail. Je suis pas en train de parler comme, non, je suis le Daichi de... Non, c'est pas ça. Sincèrement, sérieusement parlant, je connais mon travail. Maintenant, si vous voulez avoir une évaluation de qui est Asiéfix, demandez à des personnes de ressources, comme M. Sidiri Bakaba, comme M. Bienvenu Neba, comme Thérèse Tabat. Dommage, M. Biti Moro n'est plus de ce monde. Demandez à ces baobabs là, de la culture ivoirienne. Ils vont vous parler de moi. Demandez à M. Pierre Ignace Tressia, à tous ces maîtres avec qui moi-même j'ai travaillé personnellement en Fafa. Demandez-leur, ils vous diront qui est M. Assirifix. Au niveau du théâtre, en particulier, et même au cinéma, demandez au metteur en scène, au réalisateur, Owell Brown, pourquoi c'est moi il a cherché pour venir jouer le rôle. Personne d'autre. Posez-leur la question, ils vous diront qui je suis. Donc je sais, je connais ma valeur. Je ne suis pas en train de quémander une reconnaissance. Non, pas du tout. Je veux simplement des faits, qu'on soit factuel et qu'on soit honnête. Je suis un citoyen ivoirien en premier, avant d'être un artiste. Gogoza de Niaïri, bonjour. Ayoka, frère. Je reprends. Je suis un citoyen de la colonie Ivoire. En premier, avant d'être un artiste. Donc, en tant que citoyen, ce que je fais sur les réseaux sociaux, les critiques que je fais sur les réseaux sociaux, les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, les discussions auxquelles je participe sur les réseaux sociaux, c'est tout ça, c'est par rapport aux valeurs que je porte, Bonjour. aux valeurs que j'ai apprises, c'est par rapport aux valeurs que je défends, Je suis en plein c'est par direct, ça rapport marche pas. à la souffrance justement des populations en colonie ivoire, par rapport à tout ce qui ne va pas, tout ce qui est tordu, tout ce qui est malsain, tout ce qui fait en sorte que la majorité de la population souffre le martyre, alors qu'elle ne devrait pas, parce qu'on a tout ce qu'il faut. C'est par rapport à ça que moi je pars. J'ai commencé à parler, pour ceux qui ne savent pas, depuis 2010, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai pas participé. Je suis allé sur les meetings du président Gbagbo. J'ai accompagné les gens du FPI là dans leur tournée à Gagnoua et tout ça. J'ai regardé comment les gens travaillaient. J'ai eu à critiquer leur façon de faire. J'ai eu à critiquer beaucoup de choses devant eux. C'est pas par derrière. Devant eux, parmi eux. Et on m'a dit, hey Joe, ici là, c'est pas États-Unis. Hein. Il faut nous laisser. Nous, on fait les choses comme ça. J'ai dit, même par rapport à la campagne publicitaire du président Gbagbo par rapport à celle de M. Ouattara. J'ai dit que vous étiez en retard. Les gars étaient en retard. Il y a beaucoup de choses que le gars fait mieux que vous. Parce que vous faites une campagne présidentielle, je sais pas, avec les... Ça n'a pas le niveau du temps actuel. Il faut vous ressaisir. Les affiches et tout ça, là. Si vous avez fait des trucs à la Mitterrand, aujourd'hui, on est à l'ère de Sarkozy. Si vous voulez copier, au moins copiez bien. Mais ne faites pas les trucs comme au temps de Mitterrand. Le gars va vous damer le pion sur, comment on appelle ça, la communication. Je leur ai dit ça en face. Je me rappelle très bien. Mais ils m'ont pas écouté. Bref, je suis un citoyen ivoirien. Je ne suis pas un partisan de, je suis pas le partisan de quelqu'un. Ça, il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Actuellement, comme les gens le disaient à l'époque, le président Gbagbo était au pouvoir, on mettait tout sur son dos. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui est au pouvoir. Mais tout ce qui ne va pas, on va mettre ça sur son dos aussi, c'est pareil. Quand tu veux être le chef, ben, le chef, tu prends tout. Donc, si quelque chose ne va pas, on dénonce. Malheureusement, c'est M. Ouattara qui est là. Ben, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui doit faire en sorte que les choses aillent pour le peuple. Voilà pourquoi je parle, voilà pourquoi je fais ce que j'ai à faire. Non, ne pensez pas que je suis partisan de M. Gbagbo. Non, je connais le président Gbagbo.
J'aime le président Gbagbo de façon personnelle, parce que je le connais personnellement. Et depuis les années 80, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un ami à mon père. Donc, par rapport à ça, le monsieur, je le connais. Je sais comment il est, je sais comment il fonctionne. J'aime la personne. Ça, personne ne pourra venir m'empêcher, bien m'enlever ça, ou bien faire quoi que ce soit. Et je n'ai pas honte de le dire. Je le reconnais devant haut et fort dans la vie. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, si par rapport à ça, mes affaires personnelles, vous mélangez ça avec la politique, ça tant pis pour vous. Hein. Je suis pas responsable de ce que vous pensez, mais je suis responsable de ce que j'ai dit et de ce que je fais. Maintenant, si par rapport à ça, des gars maintenant à la télévision de NCI, la télévision NCI, vous n'aimez pas ce que je dis, ce que je fais, ça c'est votre affaire. Mais s'il y a un film qui va passer avec mon nom dedans et mon image, par contre, là, j'ai le droit de parler sur mon image. Et j'ai le droit de parler sur mon nom. C'est malsain, c'est machiavélique, c'est inutile, même c'est nul. Ce que le programmeur de NCI sur la page de Facebook, là, en tout cas, là, sur la page de Facebook, là, ça me donne la nausée même. Parce que je me dis, mais c'est quel genre de personne ils ont mis sur cette télévision? Je ne sais pas c'est quel responsable qui est là-bas ou bien quoi, mais vraiment, la vie, elle continue. Hein. La vie, elle continue. Je vous promets que la vie continue. Demain, il y aura d'autres personnes qui seront là. Mais les questions vont perdurer. Ils vont rester là. On va vous poser des questions. On va même vous juger même sur votre nullité, sur les choses que vous faites qui ne sont, qui n'ont pas de, qui n'ont ni queue ni tête. Ça, là, faut pas oublier ça. Actuellement, c'est bon aujourd'hui parce que, ouais, c'est nous, on est là, nos affaires. Mais vous pensez à demain? Normalement, quand on fait ce travail correctement, aujourd'hui, maintenant, demain, hier, on peut vous poser des questions. Si vous avez fait votre travail correctement, vous avez respecté les règles pour tout le monde, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous avez fait des bêtises par rapport à vos émotions personnelles, mais les gars, vous avez des problèmes qui vous attendent. Ça, c'est clair. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui. Tu es prêt, mon frère? Oui, je suis prêt. Ah, d'accord, ok. Donc, je vais blé, puis je vais laisser mon maître Zoku parler un peu, et puis on va continuer. Maître Zoku, la Oui, parole est à toi. d'accord, ok. Donc, pour recentrer de façon précise la vidéo de ce jour, tout est parti de l'annonce de la diffusion du film Braquage à l'africaine sur la page Facebook de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui. Donc, si vous allez sur la page de NCI, vous allez voir, ils ont fait un post qui annonce la programmation du film. Tu crois, c'était hier mardi, Oui. à 20h30. Donc là, excusez-moi ceux qui nous suivent. Rapidement, je vais lire l'annonce pour rester très factuel. Donc, NCI présente l'affiche visuelle Braquage à l'africaine avec les différents personnages. Et NCI fait un petit résumé du scénario et puis en bas, NCI fait la liste des acteurs. Vous voyez? Donc là, ils ont mis pour rembourser un malfrat à qui il doit de l'argent, Hervé accepte le marché qui lui est proposé. Cambrioler une maison. L'homme espère ainsi non seulement rembourser son créancier, mais également se retrouver à la tête d'un petit pactole. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, donc on dit pour rembourser un malfrat à qui il doit, Hervé accepte un marché cambriolé. Hervé, dans le film, c'est le personnage principal du film, Hervé, qui est incarné par Boua Kouassi Assirifix. Voilà. Maintenant, en bas, dans le poste, on met braquage à l'africaine ce mardi 20h30 avec les acteurs suivants. Gohou Michel, Isabelle Béquet, Mike Danon, Emma Loès. Comment vous pouvez faire la liste des acteurs qui sont présents dans le film sans mentionner le nom de l'acteur principal? De façon factuelle, c'est quelque chose de très bizarre. Quelque part, ça n'a pas de sens. Imaginez, on met l'affiche du film Terminator, l'affiche dans le temps là, avec le scénario, et puis en bas on met avec les acteurs, on cite les noms, et puis on ne met pas le nom de Arnold Schwarzenegger dedans. Vous
allez trouver ça bizarre. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on vous invite à faire quelques petites analyses. Voilà. Donc, voilà un peu la matière de notre vidéo. Ils annoncent un film, ils font le résumé du film, et puis en bas, ils donnent le nom des acteurs, et on ne mentionne pas le nom de l'acteur principal. Voilà. Par contre, j'ai interrogé Boakwasi lui-même, on mentionne le nom de certains acteurs qui apparaissent dans le film dans une seule scène. Certains même n'apparaissent pas plus de 10 minutes, mais on mentionne leur nom. Pourtant, l'acteur principal, on ne mentionne pas son nom. Voilà ce qui est vraiment étrange. Donc, pour tous ceux qui sont des cinéphiles et pour tous ceux qui s'intéressent à l'art en général, forcément, cela cache une arrière-pensée. Voilà, forcément, cela cache une arrière-pensée. Il ne s'agit pas ici de venir faire l'apologie d'un artiste ou d'un comédien. Voilà. Il ne s'agit pas ici de venir glorifier quelqu'un, non. Mais à partir de cet élément-là, on va essayer, à partir de ça, de comprendre ce qui se passe, un, dans le monde des médias et dans le monde du showbiz. Ça nous donne l'occasion de lever un peu un coin du voile, de percevoir un peu certains tas qu'il y a dans le milieu du showbiz. Voilà, donc, Boakwasi, pour la OK. bonne compréhension de ceux qui nous suivent, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Quelques petites questions. Oui. Mais On est-ce que va je peux aller. demander, est-ce que je peux demander à tous ceux qui suivent la vidéo de partager Oui. cette vidéo? Ma page est au restreint. Donc les Oui. notifications ne vont pas. S'il vous plaît, partagez ce live pour que le maximum d'Ivoiriens soient au courant de ce qui se passe et surtout qu'ils suivent cette vidéo pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Parce que certains vont dire que oui, Asefi, c'est jaloux ou bien je, enfin. Franchement, jaloux, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, je suis sûr, les gars vont prendre ça du côté négatif. Pour que ce soit pris du côté factuel, clair, il faut que vous puissiez partager cette vidéo, s'il vous plaît. Surtout mettre les cœurs pour la sécuriser, mettre les cœurs ou les pouces, ou bien je ne sais pas quoi, pour la sécuriser, pour qu'on puisse faire le live tranquillement, s'il vous plaît. Parce qu'on va parler de la culture ivoirienne, on va parler de certains comportements de certaines personnes, des acteurs de la culture ivoirienne, qui font que ça ne va pas dans la culture ivoirienne, que beaucoup d'artistes meurent même de façon tragique, de façon pitoyable, alors que c'est eux qui font en sorte que le soir, quand les gens rentrent à la maison, ils ont quelque chose au moins pour pouvoir s'évader en regardant la télévision, en écoutant des musiques, en écoutant des films, en regardant des films, toutes ces choses-là. Vous comprenez, non? Ok, allons-y. Donc, je vais te poser quelques questions. Voilà, donc j'ai lu le résumé du film et puis j'ai lu en bas la liste des acteurs. Il a mentionné Michel Gohou, Oui. le vieux père très Oui. talentueux pour qui on a beaucoup de respect. Oh oui. Quelle est la place de Michel Gohou dans ce film-là? Alors, dans le film, Michel Gohou est un personnage dans le film qui est le gros, je dirais, le dealer en chef, qui est le magicien un peu de la bande à. Je ne vais pas utiliser le mot féticheur. C'est le magicien, en fait, du groupe de Hervé Vecchio, que je campe, et qui s'occupe de tout ce qui est occulte. Par exemple, pendant le coup, si jamais ça ne va pas, comment on fait pour disparaître, comment on fait pour. Voilà, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, pendant l'organisation du coup, Michel Gohou était présent, il a participé à la discussion et tout ça. Et pendant le coup, pour ceux qui ont regardé le film, Michel Gohou aussi est présent. Avec ses envolées, ses répliques qui ont fait rire plus d'un. Et surtout, ses mimiques et tout ça, on le connaît, Michel Gohou. Il n'y a pas besoin D'accord. d'en faire trop pour lui, mais c'est à une partie du film. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, Isabelle Becquet. Voilà. Becquet Quelle est dans le sa film. place dans le film? OK. Dans le film, Isabelle Becquet, c'est la copine de Vecchio que je campe. Oui. Et Oui. Isabelle Becquet, elle a un petit souci aussi avec son ancien copain qui est venu l'enlever
Et moi, Vecchio, le personnage de Vecchio, il s'est chargé d'aller la récupérer chez le gars et la ramener chez lui, puisque elle avait des problèmes de l'autre côté. C'était une femme battue. Donc, c'est cette partie-là que. Non, c'est pas sa copine. Non, c'est sa copine, pardon. Faut pas que je mélange avec la Miss Côte d'Ivoire aussi qui est dedans, qui était ma petite sœur. Voilà. D'accord. Donc Isabelle Becquet, et quelle est la place qu'elle occupe, quelle est sa présence dans le film? Est-ce qu'elle est présente tout le long du film? Non, 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 non. Isabelle Becquet est présente presque peut-être, j'ai failli dire au milieu du film, où je vais la chercher, où Vecchio va la chercher. Il la ramène à la maison, les deux se parlent, il y a même une scène d'amour sur le balcon de la maison, et après maintenant, elle n'apparaît plus. Et à la fin aussi du film, Donc, elle apparaît, à la fin du film. Quand tout d'accord. le monde se retrouve. Elle apparaît deux fois au milieu, et brièvement au milieu, et puis à la À fin du la film. fin, à la fin du film, voilà. Et Mike Danon. Mike Danon, lui, il apparaît que dans une petite partie où je vais chercher Isabelle Becquet chez lui. D'accord. Et il y a une Et il petite a. bagarre qui a lieu. Et puis, je la prends, je sors, et puis c'est fini. Après, on ne le voit plus, Mike. D'accord. Il apparaît dans une seule scène, une seule fois dans une seule scène Dans du deux, film. trois scènes, dans un flashback, il apparaît aussi. D'accord, Dans un flashback, oui. mais ce n'est pas plus de 15 minutes dans le film. D'accord. Et Emma Loès. Emma Loès, elle, par contre, c'est la copine de mon ennemi dans le film, qui est. Le grand, comment il s'appelle le chanteur, acteur, le mari de. Oh là là, j'ai un trou. Comment il s'appelle? Un chanteur aussi, le mari de Werle King. Pape Niépo. Nyepo, voilà. Pape Nyepo, c'est la copine Voilà. de Pape Nyepo. Et il y a une scène où elle et Pape Nyepo, peut-être, on les voit peut-être, bon, disons 5 minutes dans le film. D'accord. Il y a une autre Donc scène dans voilà. un bar, elle est en train de danser aussi, où elle danse, mais elle ne parle pas. Et puis il y a une petite bagarre, mais ça ne dure pas 10 minutes maximum. D'accord. Donc là, voilà, le frère vous a fait. Il a répondu aux questions. Donc là, on se rend compte Mais faut que pas oublier, il dans y a mon frère l'annonce. aussi, il y a mon frère aussi, Fortuné. Oui. Fortuné, qui fait partie de la bande aussi, avec Joël, qui fait partie de la bande aussi. Et qui ont joué aussi une petite partie dans le film, mais qui sont là, il faut qu'on en parle, parce que c'est des acteurs super talentueux. Mais franchement, ce sont Voilà. des. Oh non, non, les gars, c'est de Donc, grands acteurs de la Côte d'Ivoire en train de gaspiller. Fortuné et Joël, leur présence dans le film en termes de durée est à peu près la même ou même peut-être plus que Emma Loès. Ah oui, beaucoup plus, oui, beaucoup plus. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, vous qui nous suivez, c'est pour vous faire déjà une remarque, une observation très factuelle. On vous présente un film, on vous fait l'annonce et puis en bas, on met les acteurs. Et on ne mentionne pas l'acteur principal. Vous comprenez? On ne mentionne pas l'acteur principal. On mentionne le nom de certains acteurs. On ne va pas aller contre eux. Gohou, comme on l'a dit, c'est le papa très talentueux. Par contre, on mentionne le nom de certains qui ont moins de présence dans le film que d'autres Mais dont il on ne y a le parle pas. papa George Taï Benson aussi, pardon, j'allais oublier. Le papa Voilà. George Taï Benson, mon papa, Voilà. qui est dans le film aussi, qui a une longue partie avec moi. Et Voilà. par contre, je tiens, ça c'est une anecdote, je tiens à dire quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ont tendance à vouloir nous diviser. Je vous assure que tout ce qu'ils font, c'est dans le but de nous diviser. Par exemple, ils ont mis Michel Gohou en pensant que peut-être moi, ça allait me faire mal ou bien me déranger. Mais je vous dis quelque chose à propos de Monsieur Michel Gohou. Michel Gohou, pendant une scène du film, entre deux scènes, où il jouait sa scène avec la demoiselle dans les chambres là-bas, il était en train de crapahuter avec une demoiselle dans la chambre, entre les deux scènes, Michel Gohou, personnellement, et ça s'est passé à Nono le tournage, il est venu s'asseoir à côté de moi. Michel Gohou, il s'est déplacé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, petit frère, tu sais quoi? Je dis, non, je t'écoute, grand frère. Il me dit, tu es un acteur, mais vraiment excellent. Tu vas aller loin. Monsieur Gohou est vivant, hein? Il est vivant, Monsieur Gohou.
il est vivant, on pourrait lui demander. Il m'a dit, sincèrement, le jeu que tu es en train de nous donner là dans ce film-là, vraiment, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. J'ai dit, non, c'est mon premier film en Côte d'Ivoire. Il dit, quoi? J'ai dit, c'est mon premier film en Côte d'Ivoire. Le reste, j'ai fait des séries télé, un peu, j'ai fait des apparitions dans des séries télé, mais pour dire film, film au cinéma, là, c'est mon premier film. C'est la première fois qu'un réalisateur m'a fait confiance et m'a fait jouer. Il dit, on dirait que toi, tu as fait ça toute ta vie. Tu es trop naturel. Franchement, c'est moi, Michel Goury, qui t'ai dit ça. Que moi, j'ai travaillé avec des grands acteurs, tout ça, mais toi, ton niveau, là, vraiment, chapeau. J'espère que les autres réalisateurs, quand ils vont voir ça, là, maintenant, toi, tu vas, c'est fini, tu es parti, tu vas trop jouer dans tous les films. Voilà ce que Monsieur Michel Goury m'a dit. Il m'a dit, sincèrement, petit frère, je ne suis pas en train de te faire à la cour, hein, je te dis la vérité. Michel Goury est vivant, il est là, allez lui demander. Les journalistes qui regardent bien les animateurs de télévision, le jour où vous recevez Michel Goury, demandez-lui ce qu'il m'a dit, il vous dira. C'est pas parce que je lui ai donné l'argent ou bien je sais pas quoi. C'est parce qu'il a vu mon jeu. Il a vu mon jeu et il m'a dit, et encore même, c'était la première fois que je jouais. C'était ma première expérience. Et comme je le dis toujours, quand quelque chose me plaît, que j'ai envie de le faire, quand je m'y mets, vraiment, pour m'arrêter, c'est difficile. Avec ça, j'ai eu quand même une certaine expérience qui fera que mon prochain film que je ferai, mais les Ivoiriens verront. Et ce qui est le plus intéressant dedans, c'est que je suis Ivoirien. C'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va briller. C'est pas le mien. Moi, je ne suis qu'un individu. Mais si ça, on doit parler de la Côte d'Ivoire à travers mon nom, ben, on en parlera. Et c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Donc quand les gars là, ils se vouent, ils se lisent, machin truc, parce que lui là, il a une opinion divergente des nôtres, donc on va l'empêcher, on va le bloquer, on va le fermer, mais c'est d'une bassesse même, je sais pas, c'est ridicule, mais bref, ils ne pourront pas m'empêcher. Tant que je suis en vie, je suis en bonne santé, les films j'en ferai. Voilà, les Morgan Freeman qui ont 80 ans, et puis ils tournent toujours. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas poursuivi par le temps, ou bien par l'argent, ou bien ce genre de choses. J'ai un boulot, je travaille tranquillement, je paye mes factures. Donc, je n'ai aucun problème, je ne suis pas pressé. Mais je tiens à leur dire que ceux-là qui sont responsables de tout ça, là, on va leur poser des questions. OK, excuse-moi, il fallait que je fasse cette petite Oui, parenthèse. Voilà. Caroline, là-bas, gros d'accord. bisous à toi. Donc voilà, Bois Kwassi, je souhaite que tu prennes la chose de façon rien que factuelle, parce que faut pas que les gens pensent que tu te vantes, tu n'es pas humble. Faut pas que non. Prenons la chose factuellement. Voilà, c'est pour dire que quoi? On nous présente un film, on fait l'annonce du film sur la page de la chaîne, on donne le scénario, on donne le nom des acteurs et on ne parle même pas dans la liste des acteurs, on ne parle pas de l'acteur principal. Cela, on n'est pas des enfants, ça cache une arrière-pensée. Ce n'est pas bien. Vous savez, les artistes. Excuse-moi, je viens de voir le nom d'une grande sœur qui est là actuellement, qui est une artiste, une peintre de renommée mondiale, Mathilde Moreau. Elle est là. Elle regarde le live. Elle ne fait que regarder. D'accord. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas, je ne veux pas l'incriminer ou bien dire que oui, elle regarde le live parce que je suis un artiste, je suis passé dans son école. Oui. Voilà. Vraiment, Elle me connaît. salutations, big up à Voilà. Martine, Grand voilà, respect. la grande sœur, je ne connais pas bien son nom. Merci Merci de nous suivre, la grande sœur. Voilà. Voilà, après peut-être en off, tu pourras nous faire tes remarques. Ça sera toujours Non, mais bienvenu. Donc, je veux dire je dis, que. elle est là, ce que je dis, je ne raconte pas des bêtises par rapport à mes qualités qu'ils ont vues à l'INSAC, où j'ai été travailler avec les grands maîtres de l'INSAC. Elle pourra peut-être même témoigner si les gens veulent lui demander ce que je sais faire. Je ne suis pas un plaisantin pour dire que oui, je suis venu à la culture comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, j'ai appris devant des grandes personnes. J'ai appris avec de grandes personnes. Sincèrement, il y a des maîtres qui m'ont bien formé. En l'occurrence, M. Tiam Abdoul Karim, paix à son âme. Donc, je n'ai pas de velléité, je sais pas comment je vais dire ça. Je n'ai pas la grosse tête ou bien. Non, c'est factuel comme tu l'as dit. Et c'est important pour moi de le dire. Parce que, j'ai failli dire comme par enchantement, mais la Providence a voulu que ma grande sœur, Mathilde Moreau, soit là et qu'elle regarde. Maintenant, les gens, comme ils aiment bien parler là, ils posent des questions à qui de droit, ils verront. Voilà. Donc, excuse-moi, on continue. Voilà, donc,
et à l'attention de ceux qui nous suivent, je disais que faire l'annonce du film, annoncer ce film-là, un peu comme un événement télévisé, parce que c'est un film C'est un ivoirien événement télévisé. 100%, C'est voilà, un événement télévisé. l'annoncer en tant que événement, en tant que comme on a programme phare d'un jour de télévision, parler de ça, présenter l'affiche avec le scénario, avec la liste des acteurs, sans mentionner l'acteur principal, je disais que ça cache une arrière-pensée. Et je disais que les artistes, c'est des hommes, entre guillemets, un peu spéciaux. Pourquoi je dis ça? L'artiste, il a besoin de la lumière pour favoriser sa carrière. Le métier d'artiste est différent du métier de technocrate que eux, ils n'ont pas besoin de lumière. Voilà. Les ingénieurs qui travaillent à Move, Orange, MTN, eux, ils n'ont pas besoin de lumière. Là-bas, on les paye en interne, ils n'ont même pas besoin de qu'on sache qui ils sont. C'est comme ça. Mais le métier d'artiste, c'est un métier dont la carrière a besoin de lumière. Donc, Tu as vu fais le le commentaire blanc. de Guy Lago? Tu as vu le commentaire du grand frère Guy Lago, s'il te plaît? Regarde. Oui, je vois. Je vois. Bon, mon gars, il faut me laisser dérouler, sinon je vais perdre le Vas-y, fil. déroule, pardon, désolé. Voilà. Donc, je disais que pourquoi est-ce qu'on prend le temps de faire ces observations? Donc, je disais que le métier d'artiste est un métier dans lequel une carrière a besoin de lumière. Sans la lumière, ça veut dire l'attention des médias, les affiches visibles, l'annonce par tous les canaux de communication. Sans ça, l'artiste n'a pas de carrière. Donc, faire le blackout sur un artiste, c'est un meurtre culturel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le comptable de la... Excusez-moi si j'ai dit le nom. Je donne un exemple tout bête. Le comptable, par exemple, du palais de la culture, lui n'a pas besoin de lumière. C'est un exemple que je donne. Vous voyez? Les ingénieurs en électricité qui travaillent à la CIE, ils n'ont pas besoin de lumière. Ils ont là, ça leur suffit. Mais une carrière artistique vit de la lumière, des projecteurs des médias. Sans quoi, il n'y a pas de carrière artistique. Sans quoi, il n'y a pas de carrière artistique. Imaginez que personne ne parle de Michael. Qui va savoir son talent à l'échelle mondiale? Imaginez que Arafat, personne ne parle de lui. Imaginez que Serge Benoît ne passe pas sur les médias. Donc, on veut dire que le métier d'artiste, c'est un métier dans lequel la carrière dépend de l'exposition médiatique, la lumière, les projecteurs. Donc, empêcher un artiste d'avoir la lumière, faire le blackout sur le plan médiatique sur un artiste, c'est comme un attentat à sa carrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un attentat. Donc là, quand on vient sur le cas de la série fixe, maintenant on va se poser la question, pourquoi on ne dit pas son nom? Entre nous-mêmes, on peut donner des idées. Regardez ces vidéos, regardez le contenu de ces vidéos. Mais c'est quelqu'un qui dénonce, qui dénonce, qui dénonce. Voilà pourquoi je voudrais plus que le frère, comme on appelle Bois Kouassi, étale lui-même ses mérites, parce que les gens vont mal comprendre ça. On va dire que non. De façon factuelle, Bois Kouassi est là. Je parle en tant que témoin. Je ne sais pas dans les années 80 ou je ne sais pas quoi. Il a marqué le monde du théâtre. Par la pièce Ramsès, là, avec comme metteur en scène Thiam Abdou Karim. Mais tous ceux qui ont suivi la télévision à ce temps-là, il a crevé l'écran. Ils ont même fait une représentation à l'Hôtel Ivoire qui a été diffusée en direct, mais c'était presque du jamais vu. C'était Une du pièce jamais de vu. théâtre C'était du jamais vu et du jamais réédité. diffusée C'est la seule fois. en direct. Et puis, le personnage qu'il a incarné, Ramsès, excusez-moi, je ne me fous de personne, mais ce n'était pas des rôles simplistes où quelqu'un vient, il a des manières comiques et puis ça fait rire. Non, c'était des personnages à test.
des personnages dont le jeu d'acteur demandait de la diction, du souffle, de la gestuelle, de l'occupation scénique. C'était des personnages pour lesquels, sans formation, on ne peut pas te donner ce rôle-là. Et puis, il a rempli, sa prestation a été validée par tous les seigneurs du théâtre ivoirien. Donc, c'est étrange qu'un homme comme ça, qui pour son premier film, qui fait la une d'une chaîne suivie, c'est étrange que ce personnage-là, on ne met pas son nom sur la liste des acteurs. Ça cache une intention malsaine. Et à travers ça, ça nous permet d'avoir du soupçon sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le showbiz. Je prends l'exemple de Fortuné. Nous tous, on connaît Fortuné, on sait que c'est un grand acteur. Fortuné est passé sur les chaînes. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui bloque? Tu as du talent, pourquoi ta carrière ne décolle pas? Qu'est-ce que Fortuné a dit? Il dit, il n'est pas prêt à faire certaines choses dans ce milieu-là. Il faut torpiller les gens, il faut se rabaisser, il faut lécher le cul des gens, il faut mentir sur un tel, il faut créer du buzz. Pour le moment-là, son âme n'est pas prête à ça. Mais regardez, il est resté en dehors. Et Fortuné qui était dans le film, si vous regardez la liste des acteurs, N'est pas mais son nom n'est pas dedans. Donc ça sent la suspicion. Donc le fait que le frère Bois Kouassi vienne en parler, c'est pas parce que lui, on n'a pas parlé de lui. Lui, Bois Kouassi, c'est pas son amour. Non, à travers ça là, mais c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Tous nos jeunes frères qui aiment l'art, qui se prédestinent une carrière artistique, c'est pour attirer votre attention. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. Voilà. Donc, voilà, c'est pour dénoncer cette manière de fermer les gens. C'est pour dénoncer ça, cette manière de fermer les gens. On prend des gens qui n'apparaissent pas plus de 5 minutes. On met leur nom sur la liste des acteurs. Regardez Emma Louès. C'est une jeune sœur. Je ne l'attaque pas. Mais dans le film, quelle importance elle a dans le film? Et puis on met son nom. Et puis on ne met pas le nom de Fortuné qui apparaît dans le film dans la même durée qu'elle, ou même un peu plus qu'elle. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup Voilà. plus. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre Emma Louès et Fortuné? Il n'y a même pas de comparaison. C'est son papa. C'est son papa dans le métier. Emma Louès, c'est sa fille. Comment on peut mettre le nom de Emma Louès, qui n'apparaît que quelque temps, et Fortuné, le vieux père, l'un des seigneurs de la comédie ivoirienne, Oui. qui a un temps d'apparition plus long, lui, on ne met pas son nom. Et curieusement, pour faire le lien, Fortuné, quand il était passé, on lui a demandé pourquoi sa carrière ne décolle pas. Il dit non, parce que pour le moment, il n'est pas encore prêt à faire certaines choses, torpiller les gens, faire le buzz, lécher le cul des gens, excusez-moi l'expression. Vous voyez, Joël n'apparaît pas sur Joël la non liste. plus. Vous voyez? Donc, voilà, c'est un peu ça. Et voilà, c'est ça un peu, c'est un esprit qui n'est pas bien, qui tue. Donc, comprenez bien ce qu'on dit. Comprenez bien ce qu'on dit. C'est pas parce que quelqu'un, c'est lui son nom, il veut voir. Non, à travers cet élément-là, cette réalité, ça nous donne de savoir l'esprit malsain qui règne dans le showbiz. Voilà. Donc, voilà ce que moi, je pouvais dire. Si vous pouvez réagir. Si vous avez déjà vu un film dont on fait l'annonce et dont on donne la liste des acteurs en omettant l'acteur principal, si vous avez déjà vu ça, bon, faites-le nous Montre-moi voir savoir. comme ça, c'était. Voilà. Donc, à ce fils, je voudrais même plus que tu t'étales, que de ta propre bouche, tu dises tes propres mérites. Parce que certains esprits vont pas comprendre, ils vont penser que tu te prends. Non. Laisse-nous, on va parler. Voilà. Moi, je n'en sais pas beaucoup, mais le peu que je sais déjà là, ça convoque le respect sur ta personne. Parce que quand on fait, si tu veux, l'histoire du théâtre, quand on parle des pièces qui ont marqué la Côte d'Ivoire, sur le plan théâtral, sur le plan des techniques, de la qualité de la prestation dans une représentation de théâtre en Côte d'Ivoire, quand on va citer les pièces de théâtre d'anthologie qui ont retenu, si tu veux,
qui ont marqué les consciences en Côte d'Ivoire. On va parler de Candide, de Diallo, Tchikoyen, Vincent. On va parler de M. Togotini. Mais on va parler de ta pièce Ramsès. Voilà. Où ta prestation a étalé toutes tes performances. Non, là, ce n'est pas un débat. Ceux qui sont jeunes, vous pouvez vous renseigner. Donc, un individu comme ça, qui a eu un impact, peut-être même qu'à travers toi, beaucoup sont allés au théâtre. Mais attends, à travers moi, parce que je sais que quand on a joué Ramsès II, même le Ramsès de Kimon, Oui. Ramsès de Kimon, vous savez d'où ça vient? C'est pas comme ça qu'il s'appelait au départ. Quand il a fait sa vidéo de Qui ne risque rien n'a jamais rien, Oui. les figurants, c'était les acteurs de la pièce de la troupe Ramsès II. C'était pas du jeu. Il y a plein de gens qui ont commencé maintenant à s'intéresser à l'égyptologie à cause de cette pièce de théâtre depuis 1987. Il y a plein de gens qui se sont intéressés à Cheikh Anta Diop à cause de, grâce à cette pièce de théâtre-là, Ramsès II le Nègre. Il y a Tu plein vois de gens donc qui ont eu une ouverture d'esprit à travers cette pièce de théâtre-là. Il y a plein de gens qui ont fait, même des artistes, même qui ont, dans leur vie, rien que ces histoires d'Égyptiens-là, ils ont mis ça dedans à cause de la pièce. Du moins, grâce à la pièce, parce que quand on dit à cause, c'est négatif. Grâce à la pièce. Beaucoup de gens se sont intéressés à l'histoire, à beaucoup de choses, grâce à la pièce de théâtre. Ouais. Et Tu même pour vois? le jeu, beaucoup de gens m'ont posé des questions. Mais comment tu fais pour jouer comme ça? Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu fumes? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune Ivoirien puisse jouer à ce niveau-là. Il y a quelque chose de bizarre qu'on ne comprend pas, alors que c'était rien que le travail. Mais c'était une autre méthode de travail pour pouvoir parler. Pour pouvoir réciter, je dis pas réciter, pour pouvoir jouer un texte, dire un texte, voilà. Parce qu'il y a la récitation et il y a le dire le texte. Dire un texte comme si le texte émanait de moi-même comme ça, alors que c'est quelque chose que j'ai appris par cœur. Et c'était 48 pages à 4 de texte qu'il fallait réciter par cœur. Mais en récitant, on n'a pas l'impression que tu as appris. On a l'impression que ça sort de toi parce que c'est naturel. Il n'y a pas de récitation, il n'y a pas de déclamation, il n'y a pas tout ça. C'est quelque chose. C'était la première fois que les gens voyaient ça d'ailleurs au théâtre scolaire. Et c'est pour ça qu'on a gagné facilement, je dirais. Parce que les gens étaient surpris. C'est pas cinéma ça là. Les gars sont pas en train de. Non, les gars étaient surpris. Au point où le président Houphouët-Boigny, malheureusement, il était malade. Il voulait voir cette pièce-là, à cette époque-là. Mais malheureusement, sa santé ne lui permettait pas. Et c'est pour ça, je pense même qu'on a joué en direct à la télévision, pour que toute la Côte d'Ivoire voie, et certainement le président Houphouët-Boigny aussi, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc, faut pas que les gens nous prennent pour des plaisantins, pour des gens qui... Non, les gars, franchement, c'est vraiment, j'avale même comment je vais dire ça? J'avale beaucoup de choses. Parce que... Alors, on m'a dit, ouais, il veut se montrer, il veut se bluffer. Non, je peux le faire, oui, je peux le faire parce que j'ai le droit. Vrai, 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 vrai. Donnez-moi travail, là, je vais vous montrer. Je connais mon boulot. Ah, ça, là, on Et discute pas avec ça. il reste combien il reste combien de minutes? Il nous reste encore 10 minutes maximum. Oui, le temps passe vite. Ouais. Donc voilà globalement l'essentiel de ce qu'on peut dire, voilà. Mais en parlant de cela, on parle de tous ceux qui ont été victimes de blackout, Ah oui. tous ceux qui ont été victimes de fermeture. C'est aussi leur cause qu'on est en train de défendre. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un système. Voilà. Dès que tu rentres dans le réseau, mais les portes des chaînes te sont ouvertes. Voilà. Vous ne faites pas attention. Il y a des gens connus sur la toile que les chaînes appuient, quel que soit ce qu'on dit de mauvais, les chaînes améliorent leur image. On a l'impression que c'est un réseau. Vous voyez? Il y a des chaînes là qui sont là, mais quand tu es dans le réseau, même quand tu n'as pas raison, on va arranger un peu ton image. Voilà. C'est pour cela que certains influenceurs et quoi, mais puisque chacun cherche son gagne-pain, mais ils vont rentrer dans ces réseaux-là.
Même si là-bas, il y a des pratiques négatives, non, parce que tu rentres, tu te soumets, d'abord, tu vas avoir l'argent, et puis, il y a un cercle médiatiquement qui te défend, qui améliore ton image. Même si ce que tu fais est sale, on va redresser un peu. Voilà. C'est un peu comme ça que moi, je comprends la présence de certains influenceurs dans la liste qui est là. Bon, Mike Danon, je ne vais pas le cacher, il m'a l'air d'être un très bon acteur. Oui, c'est Voilà. un très bon acteur. C'est On un va pas excellent acteur, cracher. Bakian. Voilà. On ne va pas cracher sur tout le monde. Papa Gou, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Voilà. Mike Danon, c'est un grand acteur. Mais on fait une observation pour édifier ceux qui nous suivent. Fortuné ne figure pas sur la liste. C'est un vieux père du cinéma. Joël ne figure pas sur la liste. C'est un gros talent. Voilà. Donc, ça va vous faire comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Voilà la réalité qui est là. Vous, nos jeunes frères qui avez du talent, qui voulez rentrer dans la carrière artistique, voilà ce qui vous attend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous rentrez dans le réseau, mais on vous le dit, ça a ses côtés pervers. Ça peut même aller à l'encontre de votre conscience, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ces gens des réseaux-là, où des gens sont propulsés rapidement à une vitesse étonnante, alors que normalement, nous, ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, quelqu'un n'arrive pas sur les médias pour occuper une place importante sans un long parcours. C'est ce que nous, on a connu en Côte d'Ivoire. Fulgence Cassie, qui est une des légendes en matière de télévision, tous ceux qui ont suivi Fulgence Cassie, son parcours là, ça a commencé tout doucement, jusqu'à ce qu'il soit la star. Il a même commencé par des émissions rurales, Télé pour tous avec Georges Keïta. Doucement, doucement, doucement. Les Barthélémy Nabo, les Serge Fatou. Ça a commencé doucement, doucement, doucement. Mais là, on est dans une époque où, en quelques mois, quelqu'un peut être projeté et puis occuper une place. Donc, soit, voilà le système, vous rentrez dedans, mais ça peut vous amener dans des pratiques vraiment triste. Ou alors, la meilleure solution, ayez une profondeur spirituelle. Voilà. Ça vous permet d'être au-dessus de beaucoup de choses. Et ça vous permet de ne pas être atteint par quoi que ce soit. Mais il faut que ça soit de la vraie spiritualité. Les gars, je ne parle pas de la spiritualité de besoin, où on va parce qu'on veut voyager, on va parce qu'on veut se marier, on va parce qu'on veut guérir. Non. Ça, c'est normal, mais mettez-vous dans une spiritualité qui est un peu au-delà de ça, qui renforce la connexion avec le divin, avec la force vitale, l'esprit cosmique. En tout cas, employez le mot que vous voulez, mais la force positive pure de la nature. Si vous vous connectez à ce niveau, ça peut vous donner d'être un peu au-dessus de tout ça. Mais si vous n'avez pas de profondeur spirituelle, vous allez faire du comment je vais faire. Voilà, ce que j'appelle comment. Comment je vais faire? Ah, mon ami, c'est comme ça le système. Tu es obligé de rentrer Il reste dedans. 3 minutes. Et puis Hein. après, ça te met dans une posture gênante parce que après, tu es mère de famille. Il y a des rumeurs qui vont circuler que tu t'es couché devant tel ou tel ou tel. Bon, après, ce genre de truc de bassesse, après, ça nous rattrape. Voilà, donc en conclusion, on dénonce cet esprit malsain au niveau des médias qui consiste à fermer des gens. C'est un attentat à la carrière artistique de quelqu'un. Refuser de lui donner la place à laquelle il a droit. Voilà. À travers le cas de Bois Kwassi, dont le nom a été carrément gommé de la liste des acteurs, c'est cet esprit malsain qu'on dénonce. L'art n'a pas de parti politique. L'art n'a pas de religion. L'art doit donner la place, le mérite à tous ceux qui ont le talent. Voilà ce que je peux dire, mon frère Bois Kwassi. Je te laisse la parole pour le mot de fin. Alors, je vous remercie et je voudrais encore préciser à la fin de cette vidéo que je ne fais pas cette vidéo pour pleurnicher, me dire gnien, gnien, on n'a pas dit mon nom, on n'a pas dit. Non, les gars, sincèrement, je n'ai pas besoin de ça. Mais je veux simplement que les jeunes qui suivent la carrière d'artiste, là, qu'ils aient le courage de faire du cinéma, qu'ils aient le courage de faire de la musique, qu'ils aient le courage de faire de la peinture, de la sculpture, de la danse, tout ce qu'ils veulent faire, en vraiment. En n'ayant pas peur. Pardon? Non, 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 non. Continue, continue. En ne craignant pas que demain, quand ils vont venir exposer leur talent, on les ferme. Parce que
y a un individu qui n'aime pas leur tête, ou bien qui n'aime pas leur façon d'être, ou bien leur façon de faire. C'est négatif pour le pays. Vous bloquez vraiment de façon lugubre, de façon comme obscure, le talent de la jeunesse ivoirienne. Et franchement, je vous assure, je vous dis encore une fois, moi ça va. Je vais reprendre mon boulot tranquillement. J'ai une vie tranquille. Mais seulement, je ne fais pas de films, je ne fais pas de musique, je ne fais rien de tout ça parce que je sais que mon peuple souffre au pays. C'est chaud, les gens ont faim, les gens ont des problèmes. Et le monde est en train de changer. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, je participe à cette évolution, à ce changement du monde-là, pour que ce monde soit plus juste. Que le maximum de personnes qui n'ont pas quelque chose à manger puissent avoir quelque chose à manger. Et que le minimum de personnes qui mangent trop essaient de partager avec ceux qui ne mangent pas. Voilà. Voilà pourquoi je me bats. Je ne suis pas un pro ceci ou bien un pro cela. Je suis un pro justice. Voilà. Donc, il faut que ce soit très clair. Maintenant, si vous voulez fermer, gommer mon nom, faites-le. Mais ce sera une fin. Vous ne pourrez jamais m'empêcher. En tout cas, le talent que le Créateur m'a donné, là, vous ne pourrez pas l'empêcher. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, je le ferai briller ailleurs. Sans problème. Ça, là, seulement, ça va bien rentrer dans vos oreilles. Et vous serez obligé, je dis bien, vous serez obligé de me respecter. Vous pouvez ne pas m'aimer. Ça, je m'en fous. Vous pouvez ne pas m'aimer. J'ai aucun problème avec ça. Mais respect, là, vous allez me respecter. Ça, là, je vous le promets. Je suis Bois Kouassi à Sirifix. Peace. Ok. Merci à tout le monde. À la prochaine fois.